puissance. Il est comme un maman. Il est puissance. Il est comme un maman. Il est puissance. C'est au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur Dieu, te disons merci. Nous te confions, Seigneur, tes enfants, tes ouvriers qui vont, Seigneur, sur le terrain en ton nom. Seigneur Jésus, tu nous connais mieux que quiconque, Papa, ce que nous te demandons, Seigneur. Tu es notre bouclier, nous le proclamons, Seigneur. Tu es notre forteresse, nous le proclamons, Seigneur Jésus. Dresse ta muraille de feu autour de chacun de nous, Seigneur. Dresse ta muraille de feu autour de chacun de nous, Seigneur. Et rend chacun de nous invulnérable à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que petits et grands soient invulnérables à l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Nous te demandons, Seigneur Jésus. Mets ta parole dans la bouche de chacun, Seigneur. Ton âme nous précède dans ce déplacement, Seigneur. Afin que les âmes soient totalement délivrées et libérées. Seigneur, nous comptons sur toi. Aucun de nous n'est intelligent. Mais l'intelligence, c'est toi, Seigneur. La sagesse, c'est toi, Seigneur. La connaissance, c'est également toi, Papa. C'est pourquoi nous nous livrons à toi. Un instrument que tu utilises. Nous sommes tous propriétaires privés. Ta propriété privée, Seigneur. Utilise-nous puissamment. Afin que ce soir, Seigneur, il y ait la joie au ciel. Les anges se réjouissent là-bas pour la délivrance des âmes que nous allons rencontrer, croiser ce soir. Seigneur, te disons merci. Tu le fais au-delà de nos attentes, Seigneur. Car avec toi, il n'y a pas de barrière. Tu ne connais ni blanc, ni noir, ni catholique, ni christianiste, ni musulman. Tu aimes tous les hommes sans exception. Seigneur, les tiens, Seigneur, ramène-les à toi. Ramène-les à toi ce soir. Ramène-les à toi ce soir. Père, tout peut te le demandons, Seigneur. Sois loué, glorifié, exalté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Alléluia, si tu es vivant, il croit que le Seigneur Jésus, après la mort, ce sera trop tard. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ vous tient la main. Peuple de la terre. Jésus vous aime encore. Jésus-Christ vous tient la main. Donnez votre bien à Jésus. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Fuyez le péché. Le péché conduit en enfer. Je vous dis la vérité. Le péché conduit en enfer. Fuyez le péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Le péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Laissez les maris d'autruche. Fuyez les femmes d'autruche. C'est la mort, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est la mort. Repentez-vous. Repentez-vous. Mettez de l'ordre dans votre vie. Maintenant, sont finis. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de temps à perdre. Maintenant, sont finis.
Mets-le dans ta vie. Mets-le dans ta vie. Examine ta vie. Mets-le dans ta vie. Tout le temps, tu ne trouves jamais à évoluer. C'est le péché qui fait ça. C'est le péché, c'est le péché. Fuis le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Abandonne le péché. Laisse le péché. Si tu vis encore de la masturbation, ça va te conduire en enfer. Si tu vis encore dans le vol, ça va te conduire en enfer. Si tu vois toujours vis encore de la vitesse, ça va te conduire en enfer. Si tu vis encore de la fornication, ça va te conduire en enfer. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Tu dois abandonner le péché. Tu dois abandonner le péché. Toi, jeune fille, tu t'as vu pour saigner les maris d'autrui. Tu saigner les maris d'autrui. Je te dis la vérité. Il y a un jour pour toi. Il y a un grand jour qui arrive. Le jour tu rendras compte de tout ce que tu as fait avec ton corps. Fermez vos corps, je vous dis la vérité. Fermez vos corps. C'est assez de séduire les maris d'autrui. Jésus qui vous tend la main. Jésus qui vous tend la main. Jésus vous tend la main. Bravo votre bien Jésus. La terre soit pour vous. La terre soit pour vous. Jésus qui vous aime. Jésus vous aime. Bravo votre bien Jésus. La terre soit pour vous. La terre soit pour vous. Je vous dis la vérité. La terre soit pour vous. Jésus qui vous tend la main. Le retour de Jésus qui s'est imminent. Le retour de Jésus qui s'est imminent. En maintenant votre bien Jésus. La terre soit pour vous. La terre soit pour vous. Donne ta bien Jésus. Donnez votre bien Jésus. Donnez votre bien Jésus. Venez à Jésus. Jésus vous aime encore. Jésus qui vous aime encore. Jésus vous aime encore. Jésus vous aime encore. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Il a dit de sa parole. Venez à moi. Vous êtes fatigué. Vous êtes chargé. Et je vous déchargerai. Oui, Jésus-Christ est prêt pour te décharger. Jésus-Christ est prêt pour te décharger. Quel que soit le fardeau qui pèse sur ta vie, Jésus veut te décharger. Jésus qui veut te décharger. Bien-aimé, viens à Jésus. Viens à Jésus-Christ. C'est le salut de notre âme. C'est que le dernier jour qu'on puisse avoir accès au paradis. C'est ce qui est très très important. Parce que Jésus revient bientôt. Et vous êtes attendus. Je veux travailler avec toi. Priez le péché. 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 Toi qui viens contre la fornication. Jésus te tient la main. Jésus qui te tient la main. Jésus te tient la main. Jésus oh, Jésus Christ est venu pour le péché. Jésus Christ est venu pour le péché. Il a dit sa parole. Je ne veux pas la main des pécheurs. Mais que le péché se repent. Bien aimé. Tout ce que je vivais de toi, c'est la repentance. C'est la repentance. Tu dois te repentir. Repens-toi. Repens-toi. Et reviens sur le chemin et toi. Et reviens sur le chemin et toi. Car l'âge est le chemin de la perdition. L'âge est le chemin de la perdition. Oh, Jésus-Christ t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Quelle que soit ta souffrance, quel que soit ce que tu vis, Jésus t'aime encore. Et il t'aime toujours. Et il t'appelle maintenant. Il dit mon fils, ma fille, reviens, reviens, reviens. Car je suis un Dieu patient. Je suis un Dieu fidèle. Je suis un Dieu fidèle. Jésus-Christ est 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 fidèle. Il ne tient pas compte le temps du Yorosh. Quel que soit le moment fait dans le péché. Quel que soit le moment fait dans le Yorosh.
Jesus. Aujourd'hui, il te tend encore la main. Il dit viens. 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 Je suis toujours disponible à toi. Je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Je t'aime toujours. Bien-aimé, revenez. 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 Jésus vous aime toujours. Dieu va les punir. Donc pourquoi le faire ne vous pas? Il faut que vous assistez au geste. Ok, shalom, shalom. Bonne soirée à vous. N'oubliez pas de lire. En regardant cette croix, je vais juste te demander si tu as mot de test. En regardant cette croix là, tu peux être guéri. Je sais ça avec foi. Avec foi. Avec foi. Avec foi, il y a la foi. Avec foi. Est-ce que tu sais que Jésus a défendu ça? Éternel, créateur du ciel et de la terre, a refusé de faire ça. Avant que Jésus lui-même ne vienne, vous allez dire, vous allez dire, la parole, le passage que vous voulez. Donne à vivre, toi mon frère, pose-toi la question, est-ce que tu pourras aller aussi? Votre matin, je te salue dans le nom, mon précieux nom de Jésus-Christ Nazareth. Je te forme ce soir, toi Jésus t'aime beaucoup. Je te forme ce soir que le paradis et l'enfer sont réels. Je te forme ce soir que Jésus t'aime beaucoup. C'est pourquoi mon foi ce soir se prévenu que le paradis et l'enfer sont réels. Je te dis en vérité, en vérité, le paradis est réel. Si tu dis que mes chers, je ne pourrai pas entrer dans le paradis. Quel est écrit, il est écrit, il est écrit, rien de tué, rien de plus ne pourra au ciel. Si ta vie, tu as une vie de pudicité, tu as une vie de fornication, je te le dis en vérité. Tu ne prends pas le ciel. Je te le dis, mais j'ai vécu. Oui, seule la vie peut prendre le ciel. Je te le dis. Tous ceux qui volent, tous ceux qui iront au ciel. Tous ceux qui iront au ciel. Je te le dis, mais j'ai vécu. Tous ceux qui restent, c'est ceux qui pratiquent la sanctification, la justice de Dieu. Ça, il est écrit que les chefs, les enchanteurs, ceux qui pratiquent et sont isolatés. Je te le dis, mais j'ai vécu. Le ciel est réel. Pas que toujours dans le fable. Je te laisse embêter, je te laisse derrière, quand tu vas mourir dans le sol, tu ne prends pas dans le ciel, toi tu es dans la fornication, je te laisse embêter, je te t'aime encore, mais si tu passes dans la fornication, tu ne prends pas dans le ciel, toi tu vis dans la prostitution, je te laisse embêter, si tu meurs dans la prostitution, tu ne prends pas dans le ciel, je te le dis, il y a un chemin pour le ciel, ton chemin n'amène jamais au ciel, je te laisse embêter, tu te dis que plusieurs chemins amènent la robe. Mais il y a ce chemin pour le ciel. Ce chemin s'appelle Jésus. Ce chemin s'appelle Jésus. Mais c'est qui de la parole de Dieu? Dans les deux gens, la parole de Dieu dit que Jésus me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne viens pas être par moi. Je te le dis, mais si tu crois que la tradition peut t'amener au ciel, c'est faux. Si tu crois que le maraboutisme peut t'amener au ciel, c'est faux. La sorcellerie n'amènera pas les sorciers au ciel. Je te le dis, mais la sorcellerie ne peut pas t'amener au ciel. Le petit, je ne peux pas t'amener au ciel. Si tu es enchanté, je te dis en vérité, si tu ne te réponds pas, et si tu meurs de la sorcellerie, je ne prends pas le ciel. Si tu es un fornicateur, si tu ne te réponds pas, et tu meurs de la fornication, je
venir un jour. Et tu peux être une fille que vous prenez sur la photo. Ils ne sont même pas des hommes, vraiment les hommes. Des sirènes que vous mettez sur la moto sans le savoir. Elle s'appuie, tu la vois, tu la vois, elle s'arrête, tu la mets sur la moto pour aller faire quoi. Elle sait réellement que quand tu vas coucher avec elle, toutes les chiens sont partis. Là, elle est faite, le monde des hommes m'a envoyé pour ça. Et sans le savoir, ça tu dis que tu as trouvé une fille qui la met sur ta moto, tu vas où? C'est pour ça le problème est tout. On se voit plus tout ce qui ne vaut pas le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui vraiment devaient prier à l'école, devaient prier dans la vie. Pourquoi? À cause de tes filles, à cause de tout ce qu'ils font qui ne vaut pas le monde du Seigneur, tout l'être est devenu pagaille. Vous voyez, c'est pour ça que nous devons prier pour le péché. Le copain est en train de très 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 dangereux. Il n'y a pas de copinage. Si vous aimez vraiment, elle vous aime, elle peut la doter. Si tu n'as pas les moyens de la doter, vous attendez. Et puis, tu vas chercher les moyens. Être avec lui le dernier jour. Il est venu chrétien. Il a accepté tout jusqu'à la mort. L'enfer, même la terre, c'est la terre. L'enfer, vous savez, l'enfer n'est pas sur la terre. L'enfer, c'est qui? L'enfer n'est pas sur la terre. Ceci est sur la terre, c'est toi. Ce qu'il faut faire, c'est que nous avons le temps dans la terre. Ne mourez pas sans Jésus.
Jésus-Christ vous aime. Jésus vous aime. Jésus vous aime. La religion conduit en enfer. Je vous dis la vérité. La religion conduit en enfer. La religion, c'est la mort. Nous sommes pas là pour te prêcher la religion. Mais nous te prêchons la Bible. Nous te prêchons Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ que nous te prêchons. Tata, Jésus vous aime. Tata, Jésus t'aime. Tata, je te salue au nom de Jésus. Je te salue au nom de Jésus-Christ. Réponds au nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime. C'est un beau projet pour toi. Désormais, habite-toi avec puteur. Désormais, habite-toi avec puteur. Donnez votre pied à Jésus. Il n'y a pas de cadeau là-bas. Il n'y a pas de cadeau à l'enfer. L'enfer, rien. Je
vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ne tenez-nous pas cadeau là-bas. Ne moulez pas de l'impudicité. Ne moulez pas de l'impudicité. Ne moulez pas de le péché. Ne moulez pas de le péché. Fuyez le péché. Le péché, c'est l'enfer. Le péché, c'est l'enfer. Le péché, c'est l'enfer. Je vous dis la vérité. Si tu mets dans le péché, tu vas devenir l'enfer. Tu as testé le mari d'autrui. Tu as testé le mari d'autrui. Oh, bien aimé, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Tout ce que tu vas faire avec ton consécrateur, tu vas rendre compte au Créateur. Tu vas rendre compte. Je te dis la vérité, jeune fille, repends-toi. Jeune fille, repends-toi. Jeune fille, abandonne la fornication. Jeune fille, abandonne la vapeur. Jeune fille, abandonne la publicité. Jeune fille, abandonne. Ne mets pas de les péchés. Ne mets pas de la fornication. Ne mets pas de le copinage. Ça va te conduire en enfer. C'est un péché qui roche ton âme. Dites à Jésus, vous aimez. Donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Et fuyez la fornication surtout. Fuyez la masturbation. Fuyez l'avortement. C'est conduire en enfer. Je vous dis la vérité. Vous avez plusieurs partenaires sexuels. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Voilà Jésus. L'enfer. Tu dis une merde dans ta marge, tu vas tenir l'enfer. Donnez votre vie à Jésus. Comment Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Comment Jésus vous aime. Jésus est venu pour tout le monde. Le péché conduit en enfer. Si tu mets de le péché, tu vas atterrir en enfer. Fuyez le péché. Fuyez le péché. Fuyez la masturbation. Votre vie à Jésus. Papa Jésus vous aime. Prenez votre vie à Jésus. Jésus qui vous tient la main. Papa Jésus vous tient la main. Prenez votre vie à Jésus. Jésus qui vous aime. Maman Jésus vous aime. Jésus qui vous aime. Jésus qui vous aime, maman. Jésus vous aime. Donnez votre vie à Jésus. Fuyez la fornication. Fuyez l'adultère. C'est la mort. C'est la mort. L'adultère, c'est la mort. Fuyez l'adultère. C'est la mort. Fuyez la fornication. C'est la mort. Fuyez. Fuyez. Fuyez le péché. Jésus vous tient la main. Jésus à l'adresse à demi. Jésus qui vous tient la main. Jésus qui sera à l'adresse à demi. Jésus vous aime. Jésus en nous. Papa, Jésus vous aime. Papa, Jésus en nous. Jésus vous aime. Jésus en nous. Donnez votre bien Jésus. Donnez votre bien Jésus. Donnez votre bien Jésus. Jésus revient. Jésus qui revient. Jésus qui revient. Maman, Jésus vous aime. Maman, donnez votre bien à Jésus. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Ok, Jésus vous aime. Donnez votre bien à Jésus. Le retour de Jésus-Christ est fini. Le retour de Jésus-Christ est fini. Ne mourrez pas sans Jésus. Papa, ne mourrez pas sans Jésus. Le retour de Jésus-Christ est fini. Donnez votre bien à Jésus. Donnez votre bien à Jésus. Donnez votre bien à Jésus. Les jours sont mauvais. Donnez votre bien à Jésus. Donnez votre bien à Jésus. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Donnez votre bien à Jésus. Maman, Jésus vous tient. Donnez votre bien à Jésus. Les temps sont finis. Il n'y a plus de temps. Fuyez le péché. Le péché, c'est la mort. Le péché vous conduit en enfer. Le péché vous conduit en enfer. Le péché, c'est la mort. Je vous dis la vérité. Ne mourrez pas dans le péché. Maman, Jésus vous aime. Fuyez le péché. Attends, fuyez le péché. Fuyez le péché. Ça va te conduire en enfer. Ça te conduit en enfer. Tu viens que de la masturbation. C'est l'enfer. Ne mets pas dedans. Ne mourrez pas dedans. Ne mourrez pas de la masturbation. Ne mourrez pas de la fornication. Ne mourrez pas dans la publicité.
Jésus vous tend la main. Malheur à toi si tu mets dans le péché. Malheur à toi si tu mets dans le péché. Si tu mets dans le péché. Si tu hasardes et tu mets dans le péché. Tu vas atterrir en enfer. Je te dis la vérité. Si tu mets dans le péché. Tu vas atterrir en enfer. Tu vas atterrir en enfer. Abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Abandonne le péché. Tu dors la nuit, mais tu es blessé par les habits de nuit. Tu viens de ton mari de nuit, femme de nuit. Oh, c'est le péché. C'est le péché. Tu dois fuir le péché. Tu dois fuir le péché. C'est le péché. Tu dors la nuit, mais tu es blessé par les habits de sirènes. Oh, c'est le péché. C'est le péché. Tu dois fuir le péché. Tu es le péché. Tu es le péché. Tu es le péché. Si jamais tu mets de la main, tu vas tirer l'enfer. Si tu mets de la brigade, tu vas tirer l'enfer. Si tu mets de l'impudicité, tu vas tirer l'enfer. C'est un système. Deuxièmement, habite ton écoute. Ferme ton corps, ferme ton corps. Cesse de séduire les hommes. Cesse de séduire les hommes. Cessez. 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 C'est l'enfer. C'est l'enfer. Cessez de séduire les maris d'autrui. Vous séduisez les maris d'autrui. Je vous dis la vérité. Ça va vous conduire en enfer. Attends, habite avec prudeur. Désolé, ferme ton corps. Ferme ton corps, ferme ton corps. Ferme ton corps. Votre bien Jésus, habillez-vous avec prudeur, fermez vos cuisses, cessez de séduire le mari de Dieu, cessez, cessez, vous arrachez le mari de Dieu, vous arrachez le mari de Dieu, je vous dis la vérité, c'est l'enfer, tu rendras compte de tout ce que tu feras sur cette terre. Toi qui as beau tester pour servir les hommes, tu rendras compte. Toi qui as beau tester Christ pour servir le mari de Dieu, tu rendras compte. Toi qui vis de la masturbation, tu vis de la fellation, tu vis de l'esprialisme, tu vis de l'homosexualité. Oh! Jésus t'appelle. Jésus t'aime encore. Il veut te délivrer. Il veut te libérer. Il veut te sauver. Venez à lui. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Pourtant, Jésus, donne ta vie à Jésus. Vous pouvez que Jésus t'aime. Vous donnez ta vie à Jésus. D'accord. Jésus veut te sauver. C'est Jésus qui t'a créé. D'accord. Donnez votre bien à Jésus. Donnez votre bien à Jésus. Les tests sont finis. Je vous dis la vérité. Les tests sont finis. Donnez votre bien à Jésus. Priez le péché. Tata, prie le péché. Abandonne la fornication. Abandonne la vie. Abandonne le mot de abandonnez. 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 Le péché ronge vos âmes. Le péché détruit vos âmes. Le péché détruit vos âmes. Docteur Jésus t'aime. Dans ta vie, Jésus. Abandonne le rastafarisme. Le rastafarisme contre l'enfer. C'est venu pour tout le monde. Jésus est venu pour tout le monde. Il est le sauveur de l'humanité. Jésus-Christ est venu à quoi pour nous? Tata, Jésus t'aime. Habillez-vous avec prudeur. Fermez vos cuisses. Fermez vos cuisses. Je vous dis la vérité. Habillez-vous avec prudeur. Tata, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Abandonne la fornication. La fornication contient l'enfer. L'avortement contient l'enfer. Si tu as déjà avorté, arrivez à la maison, grandement pleurer, demande pardon. Demande pardon à Jésus. Parce que celui qui a avorté a déjà crié. Ma sœur, tu as déjà crié. Mon frère, tu as déjà crié. Comment tu demandes pardon? Ne mourrez pas dans le péché, tonton. Ne mourrez pas dans le péché.
Papa, tue le péché. Abandonne la fornication. Abandonne la masturbation. Abandonne l'avortement. Abandonne l'avortement. C'est la mort. C'est la mort. L'avortement, c'est la mort. Si tu as déjà avorté une fois, demande pardon à Jésus. Crie, demande pardon à Jésus. Si tu as déjà avorté une fois, demande pardon si tu as déjà avorté. Demande pardon si tu as déjà avorté. Si tu as déjà avorté une fois, demande pardon. Sinon, c'est la mort. C'est la mort. Tu as déjà tué. Donc, Jésus t'aime. Donc, Jésus t'aime. Donnez votre bien à Jésus. Donnez votre bien à Jésus. Oh, le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Mon père, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Attends, attends, attends. Mon père, attends. Confie la masturbation. La masturbation, c'est la mort. Donnez votre bien à Jésus. Donnez votre bien à Jésus. Donne ta bien à Jésus. Donne ta bien à Jésus. Abandonne la masturbation. Abandonnez la masturbation. Abandonnez la masturbation. Abandonnez la fornication. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez le copinage. Abandonnez l'avortement, c'est la mort. L'avortement, c'est la mort. N'avortez plus. N'avortez plus. C'est la mort. N'avortez plus. C'est la mort. N'avortez plus. C'est la mort. Ma soeur, donne ta vie à Jésus. Abandonne la fornication. Abandonne le péché. Abandonne le péché, mon frère. Abandonne le péché. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime encore. Jésus vous aime encore. Jésus que vous aime encore. Ma soeur, Jésus t'aime encore. Abandonne la masturbation. Abandonne l'avortement. Abandonnez, abandonnez. Abandonnez. Vous prenez des médicaments pour avorter. Toi qui prends des médicaments pour avorter. Oh, tu es un maîtrier. Qui est fait que tu es au jour le jour. Abandonnez cela. Si tu viens faire une fois, demande pardon à Jésus. Demande pardon. Sinon, c'est la mort qui t'attend. Et c'est l'enfer qui te guette. Papa, Jésus vous aime. Consacrez-vous à Jésus. Allez-y, dépouillez-vous de la calomnie, dépouillez-vous, c'est du mal de la fornication, c'est la mort. Si tu te mets de la haine, c'est la mort. Si tu mets de la haine, c'est l'enfer. C'est l'enfer, c'est l'enfer qui te gâte. Repentez-vous. Repentez-vous, sincèrement, repentez-vous. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Dépouillez vos corps. Dépouillez vos cœurs de la haine. Dépouillez vos cœurs de la jalousie. Dépouillez vos cœurs de la méchanceté. Jésus t'aime encore. Jésus t'aime encore. Maman, Jésus vous aime encore. Jésus vous aime toujours. Consacrez-vous à Jésus-Christ. Et abandonnez les choses de ce monde. Là, ça vous conduit à nos pères. Ça vous conduit à nos pères. La Bible déclare, n'aimez pas le monde, ni les choses qui connaissent le monde. Si quelqu'un aime le monde, la vie du Père n'est pas en lui. Donnez-vous à Jésus-Christ. Consacrez-vous à Jésus-Christ. Consacrez-vous à Jésus-Christ. Jésus vous tend la main. Jésus qui vous tend la main. Jésus qui vous tend la main. Disant c'est la mort. La calomnie c'est la mort. La haine c'est la mort. Le péché vous condamne en enfer. Je vous dis la vérité. Si vous mourrez dans le péché, c'est l'enfer. Ne mourrez pas dans le péché. Toi qui es sur le corps de ton mari et qui disais que des médicaments pour avorter,
C'est l'enfer. Qui a avancé l'enfer? L'enfer te guette. L'enfer te guette. Jésus qui vous met la main. Comme de la terre, Jésus vous met la main. Revenez à Jésus. Quelle que soit ta vie de péché. Quelle que soit ta vie de péché. Jésus te tend la main. Il dit, mon fils. Ma fille, reviens à moi. Je vais te sauver. Jésus veut te sauver. Ne mets pas de le péché. Jésus veut te sauver. Ne mourons pas de le péché. Quel que soit le péché. Quel que soit le péché. Même si tu as déjà crié une fois, je vais vous faire. Même si tu as déjà crié une fois. Si tu as déjà crié une fois. Jésus te tend encore la main. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Revenez à Jésus. Maman, Jésus vous aime. Jésus qui vous aime. Cessez de séduire le mari de Dieu. Cessez de séduire. Vous séduisez le mari de Dieu. Cessez. Abandonnez. Priez. Jésus vous aime toujours. Jésus qui vous aime toujours. Jésus vous aime toujours. Dans ta vie, c'est pas l'église qui sauve. C'est pas l'homme de Dieu qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui sauve. Mets de l'autre à ta vie. Pour aller au ciel. Repends-toi. Pour aller au ciel. Mets de l'autre à ta vie. Pour aller au ciel. Jésus te donne la main de grâce. Jésus te donne la main de grâce. Repends-toi. Mets de l'autre à ta vie. Accepte Jésus. Repends-toi. Accepte Jésus. Et tu seras sauvé. Je garde de bons projets pour ta vie. Je garde de bons projets pour ta vie. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé pour te prêcher la bonne nouvelle. Et accepte la parole. Tu seras sauvé. C'est la parole de Dieu. C'est la vérité. Si ça va te conduire au ciel, ça ne conduit pas à la veille. Repends-toi. Pour aller au ciel. Accepte Jésus. Et tu seras sauvé. Tu as de bons projets pour ta vie. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il y a de bons projets pour ta vie. Abandonne le monde. Et viens à Jésus. Abandonne le monde. Et viens à Jésus. Jésus a des bons projets pour ta vie. Et j'ai des versets que je dis quoi? N'aime pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. L'amour de Dieu n'est plus en lui. L'amour de Dieu vivant n'est plus en lui. Acceptez Jésus et vous trouvez l'amour de Dieu. Acceptez Jésus et vous trouvez l'amour de Dieu. Et vous trouvez l'amour de Dieu. Et vous trouvez la vie éternelle. Repentez-vous. Acceptez Jésus. Acceptez Jésus. Mettez de l'autre dans votre vie. Mettez de l'autre dans votre vie. Jésus a de bons projets pour ta vie. Jésus a de bons projets pour ta vie. Matin, repens-toi. Abandonne le monde. Et viens à Jésus. Jésus a de bons projets pour ta vie. Accepte. Jésus a dit que tu l'as sauvé. Jésus le tient. Le retour de Jésus tout simplement. Mettez de l'autre dans votre vie. Pour aller au ciel. Abandonnez le monde. Pour aller au ciel. Abandonnez les autres qui sont dans le monde. Pour aller au ciel. Abandonnez les juifs nus. Abandonnez les juifs nus. Pour aller au ciel. Repentez-vous. Mettez de l'ordre à votre vie. Mettez de l'ordre à votre vie. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Jésus a de bons projets pour ta vie. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Repends-toi. Pour aller au ciel. Mon frère, ma soeur, accepte Jésus. Jésus a de bons projets pour ta vie. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut que tu aies la joie. Pour être la joie.
Après quoi que jugement, tout le monde se voit.
Le jugement t'attend au cœur. Le jugement t'attend au cœur. Tout le monde mourra ce soir. Le jugement t'attend au cœur. Mais accepte Jésus. Et quand on va te juger, tu vas aller au ciel. Accepte Jésus. Et quand on va te juger, tu vas aller au ciel. N'allez pas à l'enfer. N'allez pas à rien. N'allez pas à les démons vont te tourmenter. N'allez pas à les démons vont te tourmenter. Repends-toi. N'aie pas la peur. Repends-toi. Accepte Jésus. Jésus te sera sauvé. Jésus a des envoyés pour ta vie. Jésus veut te sauver, bien-aimé. Jésus veut te sauver, bien-aimé. Repends-toi. Repends-toi. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Jésus a des envoyés pour ta vie. Jésus t'aime. Et me aime. Repends-toi. Pour aller au ciel. Et tu vas trouver la joie. Tu vas trouver la paix. Tu vas trouver l'amour. Tu vas trouver la joie. Tu vas trouver de l'amour. Maintenant dans ta vie. Pour aller au ciel. Repends-toi. Pour aller au ciel. Pendant le péché. Pendant le péché. En cause de moi et toi. C'est à Jésus est mort. Pour moi et toi. Mais repends-toi. C'est à cause de nos péchés que Jésus est mort. Mais pendant le péché, pour aller au ciel, pendant le péché, pour aller au ciel, pour trouver la vie éternelle, repends-toi. C'est pas moi, c'est Jésus. Tu t'aimes aussi. Jésus t'aime aussi. Repends-toi. Repends-toi. Pour aller au ciel. Mets-le dans ta vie. Pour aller au ciel. Jésus revient. Jésus revient. Le refus de Jésus-Christ est éminent. Abandonnez la religion. La religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui peut te sauver. C'est le lion qui connaît de la tribu de Judas seul qui peut te sauver. Repends-toi. Fais de l'autre à ta vie. Pour aller au ciel. Accepte Jésus. Pour aller au ciel. Repends-toi. Abandonne le monde. Et viens à Jésus. Jésus a de bon foyer pour ta vie. Jésus veut te sauver. Jésus a de bon foyer pour ta vie. Jésus veut te sauver. Fais de l'autre à ta vie. Pour aller au ciel. Fais de l'autre à ta vie. Pour aller au ciel. La religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. La religion ne peut pas te sauver. C'est pas l'église qui peut te sauver. Mais c'est le Jésus-Christ qui veut te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui veut te sauver. C'est Jésus-Christ seul qui veut te sauver. Accepte Jésus. Et tu vas trouver la vie éternelle, mon frère. Accepte Jésus. Et tu vas trouver la vie éternelle, ma soeur. Jésus a de bon projet pour ta vie. Jésus a de bon projet pour ta vie. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Il veut te sauver. Il a de bon projet pour ta vie. Accepte Jésus que tu seras sauvé. Accepte Jésus que tu seras sauvé. Mets de l'eau dans ta vie. Mets de l'eau dans ta vie. Abandonnez l'argent. Les mêmes conduits en enfer. Abandonnez les bouts de rail. Les bouts de rail conduits en enfer. Les conduits en enfer. Abandonnez les hauts talons. Les hauts talons conduits en enfer. Abandonnez les perles. Abandonnez les perles. Repentez-vous. Abandonnez-les. Ça conduit en enfer. Ça conduit en enfer. Abandonnez-les. Pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Jésus revient. Le retour de Jésus que c'est mien. Jésus t'appelle à la repentance. Jésus veut que tu te repentes. Jésus veut que tu te repentes. Pour aller au ciel. Mets de l'autre dans ta vie. Pour aller au ciel, bien aimé. Repends-toi. Pour aller au ciel. Repends-toi. Pour aller au ciel. Abandonne la dévie de la voie. Ça va te conduire en enfer. Accepte la vérité. Accepte la vérité. Pour aller au ciel. Accepte la vérité. Pour aller au ciel. Jésus a de bons projets pour votre vie. Mettez de l'eau dans votre vie. Pour aller au ciel. Jésus veut que tu te repars. Il veut que tu mènes de l'eau dans ta vie. Il veut que tu mènes de l'eau dans ta vie. Jésus revient. Il a de bons projets pour ta vie. Jésus a de bons projets pour ta
dit, c'est le sang qui va te sauver. La terre ne va pas te sauver.
tout ça imminent. Il est rendu que Jésus est imminent. Jésus a des bonnes foyers pour ta vie bien aimée. Ne pas toi pour aller au ciel. Ne pas toi pour aller au ciel bien aimé. Ne pas toi pour aller au ciel bien aimé. Jésus a des bonnes foyers pour ta vie. Jésus veut te sauver. Jésus veut te sauver. Ne pas toi. Ne pas toi. Mais de l'autre de ta vie. Pour aller au ciel. Pour trouver la vie éternelle. Ne pas toi. Pour aller au ciel, pour trouver la vie éternelle. Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Mettez de l'œuvre à votre vie. Pour aller au ciel. Jésus a des propos pour ta vie, bien aimé. Repends-toi. 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 Mets de l'œuvre à ta vie. Pour aller au ciel. Pour aller au ciel, la religion ne peut pas te sauver. Allah ne peut pas te sauver. Mais c'est Jésus seul qui peut te sauver. C'est Jésus seul qui peut te sauver. Ne pas toi. Pour aller au ciel, mets de ta vie. Pour aller au ciel, il y a la paix. Il y a la joie. Il y a l'amour de Dieu. Repends-toi, accepte Jésus, et tu seras sauvé. Accepte Jésus, et tu seras sauvé, bien-aimé. Repends-toi, mets de l'aide à ta vie. Pour aller au ciel, accepte Jésus dans ta vie, et tu seras sauvé. Jésus revient, Jésus revient. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Le retour de Jésus-Christ est imminent. Mettez de l'aide à votre vie. Mettez de l'aide à votre vie. Jésus a des bons projets pour votre vie. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Acceptez Jésus, vous serez sauvés. Mon frère, ma soeur, Jésus a des bons projets pour ta vie. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il a des bons projets pour ta vie. Il a des bons projets pour ta vie. Il veut sauver ta vie. Il veut sauver ton âme. Repends-toi. Accepte Jésus. Et tu seras sauvé. Accepte Jésus. C'est pas aller à l'église qui va te sauver. C'est pas l'homme de Dieu qui va te sauver. C'est pas l'église qui va te sauver. C'est pas la religion qui va te sauver. Mais c'est Jésus qui va te sauver. Jésus seul qui va te sauver. Jésus seul qui va te sauver. Repentez-vous. Mettez de l'eau dans votre cœur. Parce que c'est consacré qui est la chose. Allez au ciel. Ça brille en enfer. Donnez votre vie à Jésus. Jésus revient. Abandonnez le péché. Le péché détruit votre âme. La fornication, abandonnée. L'adultère, abandonnée. Ça conduit en enfer. N'allez pas en enfer. Jésus vous aime. Il vous tend la main. Saisissez la main tendue de Dieu. N'allez pas en enfer. Les voleurs sont en enfer. Les prostituées sont en enfer. Repentez-vous, mes chers. Jésus vous aime. Il ne veut pas vous faire en enfer. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Le péché détruit votre âme. Acceptez Jésus. Abandonnez le péché. Le péché conduit en enfer. La fornication conduit en enfer. L'adultère conduit en enfer. Repentez-vous. Abandonnez le mensonge. Abandonnez la haine. Ça détruit votre âme. Repentez-vous, mes frères. Jésus vous aime. Donnez votre vie à vous. Repentez-vous. Les jours sont mauvais. Lâchez le temps. Ne pourrez pas dans le péché. Le péché conduit en enfer. Le péché détruit votre âme. N'allez pas en enfer.
couvrez vos cuisses. C'est pour votre mari. C'est de l'impudicité. Repentez-vous la fornication qu'on vient d'en faire. L'adultère qu'on vient d'en faire. Le mensonge qu'on vient d'en faire. La reine qu'on vient d'en faire. Rendez votre vie à Jésus. Le péché décrit votre âme. N'allez pas en enfer. On y va justement. On y sort comme sur le Jésus. On y va dans nos commissions justement. Nous nous bougeons à grâce à tuer. Repentez-vous, les temps sont finis. Jésus revient. N'allez pas en enfer. Jésus vous aime. Rendez votre vie à Jésus. Couvrez vos cœurs. Enlevez la nage qu'on vient d'en faire. Acceptez de porter la nage. Repentez-vous. Abandonnez le péché. Le péché qu'on vient d'en faire. Le péché détruit votre âme. La fornication, ça qu'on vient d'en faire. L'adultère, ça qu'on vient d'en faire. Le mensonge, ça qu'on vient d'en faire. Repentez-vous. Repentez-vous, mes chers. Abandonnez le péché. Le péché qu'on vient. Jésus vous aime. Et son amour vous invite à la repentance. Feu de la terre, repentez-vous. La joue sans mauvais. Acceptez le temps. Nous avons donc fait deux groupes. C'est le groupe 1. C'est le groupe 1, il est compliqué ici. Essia. Essia. Alléluia. Nous avons rencontré deux sœurs. Et parmi les deux, il y a une qui a refusé de se dépouiller. Pendant que l'autre a accepté de se dépouiller, elle s'est dépouillée, elle a confessé Jésus. Et elle était contente, on l'a laissée. Après, on a rencontré aussi un jeune homme qui a été vraiment touché par l'évangile. Et il est resté un moment, c'est comme s'il s'est perdu un moment. Il est resté concentré. Et après, le frère Samuel a demandé s'il voudrait confesser Jésus. Et il a dit oui. Le frère Samuel lui a demandé pourquoi il veut confesser Jésus. Et je pense qu'il a donné comme réponse que quand il a vu que ta vie n'est pas sans Jésus, il se perdait. Et donc, les choses se passent dans sa vie, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais que maintenant, là, qu'il veut donner sa vie à Jésus pour que Jésus-Christ vraiment fasse de grandes choses dans sa vie. Et finalement, lui-même, il a confessé Jésus. Donc, c'est les deux âmes qui ont confessé Jésus de nous, notre côté, ce soir. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Nous, on a pris cette direction. Je suis dans le groupe du pasteur. J'étais dans le groupe du pasteur. Au début, les choses n'ont pas bien tourné. Mais par la grâce de Dieu, nous avons trouvé un mégaphone. Parce qu'au début, on était avec un seul mégaphone. Après, nous avons trouvé un seul mégaphone. Et on a commencé, le pasteur et moi, nous avons commencé par évangéliser. On attendait un peu quand les policiers arrêtaient ceux qui passaient. On prêchait, ça touchait beaucoup de personnes. Ça touche beaucoup de personnes. Et je vois qu'il y a certains, ils sont vraiment touchés. Et ils réclament même à avoir le traité. Et à un niveau donné, le pasteur, après avoir un peu prêché, il a circulé. Même si il voulait les traiter, c'était un peu comme de petits péchés partagés. Si le monde voulait en avoir. Alléluia! Ouais. Donc on a vu que la parole de Dieu a impacté beaucoup. Et c'est comme ça aussi, il y a des moqueurs qui étaient parmi eux. Qui racontait vraiment des choses, des conneries qui n'étaient pas vraiment dignes d'un enfant de Dieu ou bien d'une créature de Dieu. Alléluia! Donc, c'est ça qu'on a fait. Et après, j'ai rencontré des soeurs qui ont évangélisé, des frères, un frère qui était au chemin. Bon, je ne sais pas, je ne connais plus trop la suite, mais Dieu nous a fait aujourd'hui, moi, Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui de prier au moins pour deux personnes. Alléluia!
deux personnes se sont disposées et ont accepté qu'on prie pour eux. Donc je vois que vraiment c'est une grâce et c'est vraiment que le ciel aujourd'hui est avec nous et que nous avons eu cette victoire. Alléluia. Nous allons lever la voix pour remercier le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Au nom de Jésus, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur. Je sais que tout ce qui est passé. Merci au Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Pour tout ce que tu as fait, Seigneur, ce soir. Éternel Dieu de gloire, Jésus-Christ, reçois la gloire. Seigneur, je te rends grâce et te bénis. Merci, mon Dieu, pour moi. Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Vous allez élire moi. Seigneur, fortifie-moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. C'est le Seigneur seul qui peut nous fortifier. C'est lui seul qui peut nous fortifier. Seigneur, fortifie tes enfants. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi, Seigneur. Seigneur, fortifie tes enfants. Fortifie, Seigneur. À tenir bon, Seigneur. À tenir bon, Seigneur Jésus. Fortifie ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous essayons de confier toutes ces âmes que nous avons rencontrées. Celles qui ont écouté la parole, Seigneur. Que ta parole les poursuive jusque dans leur, sur leur couche. Les poursuit jusqu'au point où ils viennent se confesser. Prions au nom de Jésus. C'est la parole qui nous a fait laisser la parole. La parole est la semence. Il est écrit, Seigneur, que nous nous allons tomber. Dans le cœur. C'est eux-mêmes qui se précisent à nous. On a besoin de pardon. C'est pour ce que la Seigneur. Seigneur, poursuis les pas ta parole. Seigneur, cache mon âme dans ton sang. Rends-moi invulnérable à l'ennemi sur tout le parcours. Selon qu'il est décrit, votre départ sera béni, retour sera béni. Nous sommes au moment de retour dans ce moment de retour, Seigneur. Que cette promesse soit mon partage. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, éternel, tu nous as amenés. C'est au nom de Jésus nous avons prié. N'oubliez pas, le Seigneur nous disait un jour, des temps difficiles où les temps de sécheresse vont venir. Il a dit c'est obligatoire. C'est un point de passage obligé. Il m'a dit Seigneur, j'ai prêché l'évangile. Je ne veux pas rater le ciel. Quel que soit le temps qui va se présenter à moi, quelles que soient les persécutions, les moments difficiles, les agressions, le vent, la tempête qui vont se lever contre moi, Seigneur, maintiens-moi enraciné en toi, qu'au terme de mon pèlerinage, Seigneur, je puisse entrer dans ta gloire. Prions sur le nom de Jésus. Seigneur Jésus, je ne veux pas annoncer les
l'évangile et rater le ciel. Je ne veux pas prêcher l'évangile et rater le ciel, Seigneur. Aide-moi. Oh, Jésus, aide-moi. Seigneur, aide chacun de nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Soyez fortifiés. Soyez fortifiés. Bien-aimés du Seigneur, tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Tenez bon. Nous allons prier. Seigneur, notre Père, Seigneur, je te confie chacun de nous, Seigneur. Qui est celui qui garde et qui veille, papa? Balise-nous le chemin, Seigneur. Déploie ton armée autour de nous, Seigneur. L'Éternel à nos demeures respectives, Seigneur. Fais-nous vivre ta paix, ton amour et ta bonté, Seigneur. L'Éternel, si tu t'as bien venu, donne la grâce. Encore marcher dans l'empreinte de tes pas, Seigneur, et t'honorer. Nous le désirons vivement, Seigneur. Papa, soutiens-nous. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce chaque jour que tu fais. Et apprends-nous, Seigneur, à t'écouter, à t'honorer et à vivre. À réjouir ton cœur, Seigneur, chaque jour que tu fais. Seigneur, maintiens-nous dans l'obéissance. Et grave ta crainte au-dedans de chacun de nous. Voici, nous nous abandonnons entre tes mains. Et nous nous livrons à toi. Conduis-nous juste dans notre demeure respective. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus! 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 Jésus!